Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies 2. Nous sommes partis pour continuer le monde nocturne. Nous sommes au level 11 et nous venions de battre le premier boss. C'est parti directement pour la suite sans plus attendre, allons-y. Donc il n'y a que 20 levels dans ce monde, donc on est actuellement à la moitié. Bah écoutez, pour l'instant pas de difficulté, hein. Voilà, les gens qui me disaient que c'était compliqué, et bah j'ai pas l'impression. En tout cas on n'a pas encore rencontré la difficulté, on l'attend. Voilà, je suis désolé, nous l'attendons. Et nous l'attendons. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai vu qu'il y avait des tombes ici. Donc, déjà, on prend bien entendu l'éclateur de tombe. C'est une obligation. Nous avons également des zombies bouffons en face. Donc, on ne pourra pas prendre des plantes avec des projectiles. Donc, on va déjà partir sur le. Il est où? Sur le faillot laser. Ça, c'est obligé. C'est obligatoire. C'est très efficace contre eux, donc on n'hésite pas. On prend bien entendu les champis soleil, les champis fumés également, ça va être très fort. On prend la protection avec la grande noix. Et on a déjà croisé les zombies sorciers, je m'en rappelle plus. C'est ceux qui absorbent les soleils, je crois. On va quand même prendre une catagraine qui sera pas forcément, mais qui sera pas du tout efficace contre le zombie bouffon, mais ce sera efficace contre les autres. Donc on va quand même sélectionner cette plante. Et il nous manque une dernière plante. On peut prendre. Bah je crois qu'on va prendre le champignon d'ailleurs, qui n'est pas amélioré. On va l'améliorer immédiatement. On va prendre le champignon qui aide beaucoup au début. Ouais, je pense que c'est un bon choix. Ok, bah écoutez, on va partir sur ça. Let's go. Donc il y a une tombe directement dès la première ligne, c'est assez rare d'avoir une tombe là. On va virer déjà les trois tombes avec les soleils, ça nous fera un peu d'argent, un peu de thunes. Je commence à poser les champignons, même si je vois pas les zombies apparaître, hein. Voilà, on n'hésite pas. Donc là, on va pouvoir poser un autre champignon. Voilà, les champignons apparaissent assez rapidement, donc on peut se permettre de les poser directement. Comme ça, ça permet d'avoir une petite ligne et d'éliminer les premiers zombies qui seront sur notre chemin. Regardez comment c'est parfait. C'est tellement parfait. C'est beaucoup trop parfait. Beaucoup trop parfait. Alors j'ai perdu un peu de temps des moments. Des moments je perds un peu de temps. Faut que je fasse attention. Faut que je sois rapide et efficace. Ce que je n'arrive pas à faire malheureusement. Là du coup on va commencer à poser le faillot laser. Ah c'est vrai qu'il avait un booster. Donc c'est parti. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. On va poser les catagraines aussi, on n'oublie pas. On va enlever ça et on va poser, je pense, un faillot laser en haut parce qu'on pourra pas le. On pourra pas les tuer, je pense. Faillot laser plutôt là. Oh mon dieu! Il y a déjà énormément. Énormément de zombies. Ça commence fort. On a un magicien des ténèbres. On va poser, hop, la petite catagraine. Et de coup, le magicien transforme les plantes en. Les plantes en moutons. Ok, je ne savais pas, je me rappelais plus. Mais je crois qu'on en a jamais rencontré du coup. C'est pas possible. Bon là par contre va falloir poser des noix. On va poser une noix ici. Ça me paraît bien, je vais virer. On peut pas virer les moutons du coup. Ah bah oui forcément. Oh merde. Oh là là, on va devoir poser un engrais. Oh là là, on va devoir poser un engrais maintenant. Parce que là c'est la merde, hein. Oh. Je vous le dis, c'est la merde. C'est la merde totale. On va faire ça ici. En bas je sais pas comment on va s'en sortir. On a encore un engrais qu'on va poser immédiatement. Et on a également ça. L'éclateur de tombe. Les engrais qui nous aident bien là parce que c'est très compliqué. Je sais même pas comment on arrive à avancer dans ce level là. On va perdre le faillot laser certainement. Ah c'est dommage. On perd le faillot laser en bas. C'est horriblement dommage. On va commencer à poser les noix. Et éclateur de tombe là. Allez on vire tout ça. Non, faut pas que je perde ça. Ok bon. On l'a perdu mais au moins ça a tué le zombie. C'est pas mal. On continue à poser les grandes noix. C'est compliqué ce level là. Tiens, quand je parle de difficulté, la difficulté arrive. On dirait que c'est fait exprès. Ah mais non! J'aurais dû poser un petit champignon pour qu'il le transforme en. Ah là là, quelle grosse erreur de la part de Kira. Nous allons claquer un faillot laser pour le booster. On va reposer un faillot laser en haut. Incroyable. Là, le faillot laser booster qui nous aide tellement. C'est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. On a deux engrais, on va les garder. Je pense qu'on peut les. On a trois engrais, c'est pas mal. On va reposer une grande noix. Et là je pense que nous sommes bien. Le début était compliqué. Mais là c'est bon, je pense qu'on va s'en sortir assez facilement. On devrait pas avoir de soucis. Voilà, maintenant qu'on a, notre jeu en place, on devrait plus avoir de soucis.
Ok. Tu te fous de ma gueule, toi. T'as transformé ma grande noix en mouton. Oh, elle est revenue normale assez rapidement. Oh là là. Oh mon dieu. Beaucoup trop de tombes. Là, je vais reposer des noix. Là, on va commencer à peser des engrais. Ça va être important. On va stun tout le monde. Tellement d'engrais en même temps. On va accélérer la cadence. De toute façon, on a gagné. Hein. Faut qu'il arrive là. C'est gagné. Eh bien écoutez, j'ai eu l'impression de perdre un moment, mais on a réussi à tenir la cadence et il n'y a pas eu de soucis. C'est parfait. Allez, vas-y, allez, envoyez les zombies, on n'a pas que ça à faire. Allez, on sait qu'on a gagné, c'est bon. Envoyez la sauce. Allez, c'est bon. Allez, balancez la sauce, quoi. On a 1300, on a 1300 de thunes, bordel, vous imaginez? Nous sommes riches. Nous sommes milliardaires. Allez, on claque les engrais. Hop, on claque les engrais sur toutes les lignes. Comme ça, on termine. Voilà, c'est incroyable. Bon, je pense que j'aurais peut-être pas réussi sans le booster du faillot laser. Ou alors, ça aurait été très juste. Parce qu'après, j'avais encore mes tondeuses à gazon. Excellent. Incroyable. Alors du coup, on y va. La prochaine plante à débloquer, c'est la plante qui permet de récupérer le métal sur les zombies. Une plante qui est vachement forte. Vous en mettez deux et vous êtes très bien. Même plus hein, si vous voulez hein. S'il y a beaucoup trop de zombies, vous pouvez en mettre plus. Mais deux ou trois, c'est pas mal. Vous les mettez derrière des grandes noix, bien cachées. Ça retire tous les objets en métal sur les zombies et c'est juste super fort. Survivez à l'assaut et gardez les champignons en vie. Est-ce qu'on choisit nos plantes? On choisit nos plantes. Donc déjà, on va prendre l'éclateur de tombe. Est-ce qu'on change de stratégie? Il y a quoi en face? Bah on va partir sur la même stratégie. Je pense que... Ouais, on va pas changer. On va partir sur la même stratégie. Je pense que c'est bien. On peut se permettre de prendre un booster ou pas? Non, je vais garder les boosters. Là, il y a deux boosters qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'on prend un booster? Est-ce qu'on se fait plaisir avec un petit booster? J'hésite énormément, je vous le dis. C'est pas facile. C'est pas facile d'hésiter dans la vie. L'hésitation, c'est ce qui fait, c'est ce qui crée les doutes. Et c'est ce qui crée l'échec, pas du tout. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Qu'est-ce qu'on peut prendre là? Attendez, il nous manquait quoi là? C'est quoi qu'on a pris la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, bah oui, les champignons. Mais je vais pas prendre d'autres champignons, ça sert à rien, on a déjà posé. Est-ce que j'en prends d'autres? Non, on va pas prendre d'autres champignons, on va prendre autre chose du coup. On va prendre, je pense qu'on va prendre un ralentissement. On va prendre une balle aux plantes, tiens. Je pense que ça peut être utile. Ouais, moi j'aime beaucoup. Moi je pense que c'est une très bonne idée. Ok, donc ils vont s'occuper de détruire, je pense, ces tombes. Je suppose. Du coup, on va détruire les autres. Ah merde, j'avais pas... Ah mais j'avais pas posé le champipi. Ça devrait être bon, j'espère. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, normalement c'est bon, je pense que c'est calculé, c'est fait pour. Le jeu est bien fait. C'est fait pour. Ça devrait se casser. On va continuer à casser les tombes là. Hop. Va falloir refaire peut-être une lignée. Est-ce qu'on s'en fait une autre? Je sais pas. Ou est-ce que ça suffit? De toute façon là je peux pas trop en poser. On va le ralentir parce que là, ça va être la merde. Allez, pétez-moi tout ça, là. Allez, bougez-vous le cul, là. Oh là là, mais c'est quoi ces conneries? Ok, c'est bon, pas mal. Pas mal du tout. Du coup, on va faire ça. Est-ce que je pose d'autres... On va en poser deux supplémentaires. Ah bah oui, mais c'est vrai, ça disparaît. Ah, mais attendez. Hein? Le champignon n'a pas survécu. Quoi? Ben normal, ils disparaissent. Mais quoi? Attendez, j'ai pas compris là. Attendez. Survivez à l'assaut et gardez les champignons en vie. Attendez, je comprends pas là. Mais ils disparaissent. Attendez, il y a un moyen de ne. Il y a un moyen qu'ils disparaissent. Ils disparaissent pas? Attends, je comprends pas là. Pourquoi j'ai perdu? Le mec il comprend pas. Non mais pourquoi j'ai perdu là vraiment? Le but, c'est que les zombies sur les cases ne meurent pas. Mais sauf qu'ils disparaissent au bout d'un moment. Durée de vie
est limité et du coup je fais comment? Oh là je comprends pas là, 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 soit je suis débile, soit je peux. Ouais non mais c'est possible que je sois débile. Je dois reposer, je dois. Ah je dois les booster? Je comprends rien les potes, je suis dans l'incapacité de comprendre là. Faut pas qu'ils tirent pour pas disparaître? Attendez, je comprends pas là. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je dois faire? L'engrais régénère tous les champignons. Ah. D'accord, je viens de comprendre. Mais il y avait un message. C'est juste que j'ai pas fait attention au message. Ok. Ok, je comprends mieux. Ah bah non, mais il fallait le dire aussi. Enfin, ils l'ont dit du coup. C'est juste moi qui ai pas fait attention. Ok, j'ai compris. Du coup, il faut claquer les engrais uniquement sur les champignons. D'accord, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Dès qu'on peut, on pose un. Bah là, ça va être bon. Bon, on va le faire quand même parce que c'est beaucoup trop lent. Voilà. On fait ça, toi je te ralentis. Là je fais ça, je vais poser un. Je poserai un engrais uniquement quand ils commenceront à disparaître. Ce sera mieux. Hop. Ça. Là ils vont pas tarder à disparaître normalement. Ils sont pas encore disparu. Ok, go un engrais. Voilà. Ok, donc ils tirent tous. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, ok, non, mais je savais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. On va partir sur ça, je sais pas si ça a bien marché, on verra bien. On va peut-être pas gagner beaucoup de soleil. Forcément là on perçait. Oh non, même pas morte. Là ça va être compliqué de tuer le zombie en haut. Va falloir reposer un engrais de toute façon, dans pas longtemps. On va pas avoir le choix, on va commencer à poser des faillots laser. C'est le moment, les petits faillots. On va attendre le dernier moment, tiens. On va attendre vraiment le dernier moment. On va poser également les noix. Par contre, faut vraiment faire attention, hein, que les champignons ne disparaissent pas. Faut vraiment toujours. Oh là là, vite, vite. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur, je vous le dis. Mon cœur a fait boum dans, ma poitrine. Ouais, on continue comme ça, c'est une très bonne stratégie pour l'instant, je trouve. Tout va bien. Oh non, tue pas mon faillot laser, mais non, je suis pas d'accord. Non, là, vraiment, je suis pas d'accord. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça aurait vraiment pas dû se passer comme ça. J'ai perdu un faillot laser, j'ai perdu un ami aujourd'hui. Un ami qui m'était cher. Voilà, ça me fait mal, ça me fait très mal. Je vous le dis. Je vous le dis vraiment, du fond du cœur, ça me fait mal. Capuche. Du coup là on va protéger notre champi ici. Ok bah écoutez écoutez ça paraît simple. J'ai tout ce qu'il faut en engrais pour survivre. Donc je devrais pas avoir de problème. On va pas accélérer parce que j'ai peur de me faire avoir. Si voilà par exemple. Hop. Voilà. Excellent. Très bien bah écoutez. Pas de difficulté. Que du bonheur. Que du bonheur. Oh merci. Oh, on a énormément de, on a énormément d'engrais donc il y a vraiment pas de problème quoi. On peut toujours garder les champignons en vie. Tout est fait exprès. Je peux claquer les engrais aussi sur les autres plantes. Hein, faut pas hésiter. Hein. J'ai beaucoup d'engrais donc ça devrait être largement suffisant. Mais bon, vu que pour l'instant il n'y a pas de souci. Hein. Ah là on va pouvoir en claquer un. Tiens sur un soleil. Donnez-moi des soleils. Encore. Bon allez donnez-moi plus de soleil du coup. Merci. Excellent. Qu'est-ce qu'on fait? On met plus de faillots laser ou pas? On peut mettre les deux. On peut mélanger les deux. Ah vite engrais engrais. C'est bon. Tiens on va mélanger les deux. C'est drôle. J'adore. On va accélérer un peu la cadence. Voilà. Oh là là, tellement d'engrais, tellement d'engrais. Très bien. Bah là, je sais plus quoi faire puisqu'on a plus de place. On a plus de place. Ça marche plutôt bien cette stratégie. Hein. On n'a pas eu de problème depuis le début, c'est cool.
Bam. Oh, que des magiciens. Regardez, des magiciens partout. Par contre, il faut arrêter de nous donner autant d'engrais, là. Au bout d'un moment, non, voilà, quoi, je tiens à le dire, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à se voir, vous m'aidez, là. Ça se voit un peu. Un peu trop, même. Va me placer des engrais sur les champignons alors qu'ils en ont pas besoin. C'est incroyable. Regardez, on en replace encore dessus. Voilà. Pas de soucis, quoi. Et c'est la fin, du coup. Excellent. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a gagné, Excalibur ? Excalibur. Ok. Le champignement, du coup, dans 3 niveaux. Non, vraiment ? Quel malade est allé planter une si belle épée dans ce vieux bout de rocher ? Je pense qu'il s'agit d'une épreuve, utilisateur Dive. Pour retirer cette épée, il faudra un preux guerrier à la force herculéenne. Bah ça c'est tout, ça c'est pour Dive. C'est pour lui. Je parie qu'un bon vieux marteau piqueur ferait tout aussi bien l'affaire, si c'est un vrai dingo qui le tient. Voilà une façon aussi inélégante qu'efficace pour passer cette épreuve, utilisateur Dive. Le Devounet. Alors c'est le défi d'Arthur, on s'en bat les roubignoles, puisque de toute façon c'est toujours les mêmes défis et voilà. Pour qu'on s'en fout. On peut avancer dans les levels, tranquillement. Alors. Ouais, 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 le défi d'Arthur, tout ça, on connaît. On connaît, on connaît. Ouais, non, mais oui, non, mais oui, non, mais... Oui. Niveau 13. Alors, alors. Eh bien, on peut dire que le pistopois et la noix savent ce qu'ils font. Ces deux super plantes forment une équipe redoutable au combat. Utilisateur Davy, il semblerait que vous soyez pas aussi cérébralement... Oh là là, cérébralement défaillant. C'était compliqué. Que vous ne persistez à le démontrer. Et s'il existait une plante capable de combiner les compétences de la noix et du pistopois? Quoi? Ce serait trop bien. Nous l'appellerons noix à pois. Ce serait trop bien, un truc pour combiner les plantes. On va voir ça. De poire de plantes réunies dans un corps de légumineux. Avec de telles idées de génie, on va finir par t'appeler Penny l'indingo. Ce qui serait vraiment bizarre autant pour toi que pour moi. Ok, donc on a des plantes au hasard. Moi, je veux voir ma plante assemblée, là. Ma plante fusion. Elle est où? Vous m'avez promis une noix et un pistopois assemblés. Je veux la voir. Donnez-la moi. Ah, je crois que c'est ça. On va la poser ici. Ah, c'est pas mal. Ok, donc bon, c'est une plante du coup qui est disponible. Oh, en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Oh non, c'est trop stylé. Ah, je vous le dis, c'est trop bien. Encore une fois, je vous le dis. Voilà, je vous le dis encore une fois, c'est trop bien. Non, c'est excellent. Ça peut tellement bien servir. Alors, je pense pas que ce soit aussi solide qu'une grande noix. Par contre, peut-être que c'est aussi solide qu'une noix, une noix tout à fait normale. Ça c'est possible. Putain, mais il transforme toutes mes plantes, quoi. Faut arrêter tes conneries. Il nous saoule, le magicien. Oh là, mais c'est pas possible. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Non, mais. Et on m'explique. Fallait que je le tue rapidement. Ah, c'est pour ça. J'aurais dû essayer de le tuer rapidement. Ce que je n'ai pas fait. Donc là, je pense malheureusement que c'est peut-être perdu. Je dis bien peut-être parce que j'en ai aucune idée. On va poser une plante et on va mettre un engrais. Hop. Voilà, meurt. On va faire pareil ici. Voilà, merci. Et non, ce n'est pas perdu, ne jamais abandonner. Tant qu'il y a de l'engrais, il y a de l'espoir. Voilà, je tenais à le dire. Important. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Détruis pas mes plantes. Ah non, mais lui, il est insensible, du coup. Oh, bordel, comment on va le tuer? On le tue avec... bah oui. Avec les champis fumés. Malheureusement, j'en ai pas ici. Donc, c'est la merde. Bon, là, il va certainement passer. Hein. Ouais, il va certainement passer. Comment peut-on faire? À part avoir un champi fumé qui pop dans ma main. Attention, maintenant. Le champi... Et oui! Le champi fumé qui apparaît au bon moment. C'est quand même beaucoup de chance. Putain, mais ils arrivent bien à passer là. Ce level là, elle m'a l'air compliqué. D'habitude, ce level là, c'est beaucoup trop simple. Et en fait, bah là, non. On va claquer un engrais. Voilà, mourez. Là, par contre, je ne sais pas comment on va faire. Ah bah tiens, parfait. La plante qui arrive au bon moment. Il nous reste encore une vague à tenir. Résister à l'envahisseur. Je pense que nous allons réussir. Je crois, je ne sais pas, je ne.
Je ne contrôle plus mon destin. Bon, là, on va devoir... Qu'est-ce qu'on fait? On l'active ou pas? Non, je continue. Continue à penser qu'on va pouvoir les retenir sans utiliser de tondeuse à gazon. Je continue à espérer. Tiens. Ah, c'est bon. Ça va les retenir. Ça va le faire. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Sois détruit. Toi, ça devrait être bon aussi. Je... Non, 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 peut-être pas, en fait. Non, c'est... non, ce sera pas bon. Arrêtez de nous donner des tombes. Enfin, des éclateurs de tombes, on en a plus besoin. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je crois que là, c'est foutu, malheureusement. Il va bouffer cette plante. Et, oh, on a de l'engrais. Oh, donnez-moi de l'engrais. Vite, vite, vite. Vite. Oh, merci. En haut. Ah, oui. Oui, ça, c'est pas mal. Si j'arrive à garder mes éclateurs de tombe, enfin mes éclateurs de tombe, mes tondeuses à gazon, le mec mélange tout. Ce serait incroyable. Ce serait juste, juste formidable. Alors ce qui est dommage, c'est que malheureusement ces plantes-là, on va pas les débloquer dans ce level-là. Voilà. Enfin dans ce monde-là et dans ce level-là aussi du coup. J'ai regardé, on débloque uniquement le l'aimant. Mais j'aurais bien kiffé en vrai, hein. Noix pistopois, c'est assez stylé. C'est pas mal. Après, est-ce que ça pourrait remplacer les grandes noix, quoi? C'est vrai que ça manque de solidité. Faudrait voir. Dernière vague de zombies en approche. On peut accélérer. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Non, 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 non. Tu ne passeras pas, je te le dis. Hop, toi aussi, tu ne passeras pas. Alors là, ce qu'il faudrait mettre contre le bouffon, c'est un champi fumé. Est-ce qu'on aura un champi fumé? Eh ben, je ne pense pas. Bon, voilà, c'est là que les tondeuses à gazon vont être vachement utiles pour cette dernière vague, puisque c'est elles qui vont tout simplement faire le taf. Et oui, c'est elles qui vont pouvoir tout détruire, parce que là, je pense que tout va passer. Non, ne passe pas. Ah, je peux pas te tuer, toi. Terminé. Ouais, ça avait déclenché toutes les tondeuses à gazon. Bah écoutez, c'est magnifique. cette fin incroyable. Digne des plus grands films d'action. Voilà. Allez, on la déclenche. On peut la déclencher, comme ça on termine le level plus rapidement. Voilà. On a plus de tondeuses à gazon. Bah écoutez, heureusement qu'on en a pas perdu une. Sinon on aurait perdu. On a bien fait de les garder jusque la fin. Ça a été vachement utile. Très bien, encore deux niveaux. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va au moins essayer d'arriver au level 15, voire level 16. Comme ça au moins au prochain épisode on pourra terminer le monde nocturne. Parce que si je m'arrête là, le prochain épisode va être beaucoup trop long. Et oui. Je vois pas que je m'arrêterai là, de toute façon ça fait quoi? On est à 23 minutes de vidéo. Ouais, oh, Kira, tu peux continuer un peu quand même. Pas abuser, déjà que les gens ont une vidéo plante vs zombie tous les 5 jours, tu pourrais faire un effort. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais Kira, il y a plus de plante vs zombie, comment ça se fait? Faut savoir que je fais plein de jeux. Je ne suis pas coltiné uniquement sur un jeu, donc je fais plein de jeux. Et donc bah des moments j'ai pas envie de jouer à plante vs zombie 2 et j'ai juste envie de faire d'autres jeux. Donc ça arrive quand j'en ai envie en fait, tout simplement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mon jeu a crash, incroyable. Incroyable mais vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave hein, après là. Ce n'est rien. Heureusement qu'on est sur un jeu qui enregistre automatiquement à chaque action qu'on fait, parce que sinon ce serait chiant. Alors, produisez au moins 5000 soleils. Ah, produisez des soleils. Ça m'intéresse bien. Donc on a, ok, donc déjà l'éclateur de tombe et le faillot soleil, ils nous l'ont directement fourré dans nos plantes. Bah du coup on va prendre les... Par contre ils nous autorisent pas à prendre les champis soleil. Très bien, donc on va devoir gagner uniquement des soleils avec le faillot soleil. Waouh. Les zombies qui le mangent lâchent des soleils quand ils sont blessés. Donc il faudrait prendre des plantes qui blessent très souvent les zombies, mais qui font le moins de dégâts possible. Moi je pense que là on peut partir sur le triple pistopoint. Ça va être vachement fort.
On va partir sur la grande noix. Triple pistolet poids, bah, ça me plaît bien. On peut prendre la malodoplante pour les ralentir. La catagraine. Et on peut terminer. En fait, le faillot laser, on peut pas se permettre de le prendre parce que ça fait de gros dégâts, mais ça tire très peu. Donc c'est un peu chiant. On peut prendre le tapshoy qui tape très rapidement. J'ai bien envie de prendre le tapshoy, tiens. Ça peut nous aider et faudra uniquement l'utiliser quand il y a des faillots soleil sur les zombies aussi. Est-ce qu'on teste le tapshoy? Je sais pas. On va tester comme ça, on verra bien. Je sais pas si ça a marché. Voilà, je peux pas vous dire. Voilà, je peux pas vous dire, les potes. Ça va être compliqué. Un level qui... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais point. On verra bien. Allez. Du coup, hop, on commence par ça. De toute façon, on a pas trop le choix. Ah, mais il y a... Ah ouais, il y a l'air d'avoir énormément du coup de... Qu'est-ce que fait mon chat là? What the fuck? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est en train de tourner sur elle-même depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on essaie directement de mettre des triples pistolets poids dès le début? Ça peut être pas mal en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aime bien l'idée. Est-ce qu'on aura le temps? Ouais, on aura le temps. Hop. Lui, on va lui faire manger ça. Et on va le ralentir aussi. Ah, il faut le ralentir, sinon ça compte pas. Donc on va gagner beaucoup de soleil avec les tombes. Très bien. Ok, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Très bien, je vois un peu le délire, quoi. Je pense que vous le voyez aussi. Vous êtes comme moi, vous voyez le délire. Moi, je vois très bien le délire. Toi, il fallait te faire manger des trucs, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, on va faire manger quelque chose à lui. À celui-là. Ah ouais, il y a énormément de tombes, quoi. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Hop, on va faire ça. Ok. Bon, ça devrait le faire, en vrai. Ça devrait largement le faire. Il devrait pas avoir de soucis. C'est plus facile que ce que je pensais, en fait. Pour l'instant. Je vous rappelle qu'il y a des gargantuas, après. Parce que là, je fais le malin. Et quand il va y avoir des gargantuas, ça fera mon malin. Et oui. Oh là là, il y a trop de soleil. Trop de bonheur. Non mais il y a vraiment beaucoup trop de soleil par contre. Ah oui non mais là il te bourre. Ah non mais d'accord, ok, on va les produire les 5000 soleils, y'a pas de soucis hein. Ça c'est sûr, y'a pas de problème hein. Les 5000 soleils on va les avoir hein. Oh la vache. Ça c'est sûr hein. On va mettre des triples pistolets poids partout. Je vous le dis, voilà. Je vous le dis officiellement, on va mettre des triple pistolets poids partout. Ah mais c'est... je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, totalement perdu dans ce bordel de soleil. Tout ceci n'est que soleil. Non mais toi tu devrais mourir. Donc hop, on va faire ça. Voilà, donc t'es mort. Incroyable. Oh mon dieu, les éclateurs de tombe ne pas être plantés. Si c'est bon. Oh là 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 là, c'est beau. Tiens, mange. Non. Allez, ah, transformer cette plante. C'est pas grave. Poser des noix. Faudrait le tuer là au bout d'un moment. Hein. Tuez-le. Hein. Voilà, merci, enfin. Ok, on est à la moitié au niveau des soleils et on est aussi à la moitié au niveau du temps. Au niveau du défilement des zombies. Donc c'est plutôt bien. Je pense qu'on est vraiment bien là. C'est cool. On va les ralentir. Trop de soleil, des soleils partout. C'est sympa. C'est sympa. Les 5000 soleils, on va les produire très très facilement. Pas de problème, pas de soucis. Je vous le dis. Pas de soucis. Voilà, merci. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on va faire les. Bah, là, on va continuer à placer des tapshoy du coup. Voilà. Des grandes noix également. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, je pense qu'il y a des moments, je ramassais pas les soleils. Hein. Je crois que je suis obligé de les ramasser, donc faut que je fasse attention. Vous mourrez. Un gargantua. Un immense gargantua. Balancez les engrais. Allez hop, on continue. Oh, bon. Non, mais c'est nul. Non, c'est nul. Je vous le dis, il est nul ce level là. Trop de soleil. On va continuer à placer des trucs de pistolet quoi, autant y aller quoi, maintenant qu'on a de l'argent, plus rien nous arrête. Tel un youtubeur à 1 million d'abonnés qui accepte 10 OPSP par mois.
soyons soyons dépensiers. Oh là là, mais moi il y a des bugs de son, c'est bizarre. Très bien, et bah écoutez, c'est bon, nous avons réussi notre objectif. Voilà, nous avons récolté les 5000 soleils et c'est terminé. On peut balancer les engrais pour détruire les derniers zombos. Et bah voilà. Bon, les doigts dans le nez, comme disent les jeunes. Plus aucun jeune dit ça, donc ça veut dire que j'ai vieilli. Mais oh là là, mais c'est... Ouais non, mais... J'attends toujours la difficulté, je suis désolé les potes, hein, voilà, je leur dis encore une fois, mais là... Là, je suis un peu déçu, quoi. Il y avait quand même 4 piments, hein. Il y avait quand même 4 piments, hein, sur le monde. C'est... Ça fait mal. Ça fait mal à mon petit cœur, quoi, je... Bon, allez, on fait un dernier niveau, du coup, pour ce... Pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut choisir nos plantes, très bien. On peut pas prendre des... Ok, on a déjà des soleils sur nous. Bah, ça va être très rapide, je pense. Donc, on va partir sur ça. Est-ce qu'on prend un booster? Oh oui, on peut prendre un booster pour le délire, tiens. Voilà. On va pas prendre des triples pistolets, ça coûte beaucoup trop cher. 4 à graines. Et là, déjà, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal du tout. Les faillots laser, on pourra pas tout poser, hein, de toute façon. Hein. Là, je prends des trucs, mais je sais très bien que ce sera pas possible. On va prendre, du coup... on peut prendre les... Oh, on peut prendre les malodoplantes. Pourquoi? Pourquoi on peut pas? Parce qu'ils coûtent... Ouais, c'est parce qu'elles coûtent 0. Ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Là, en vrai, je sais pas trop, quoi. Bah non, gars, regardez, le navet à case, il coûte 0. Comment ça se fait qu'on peut le prendre? On va prendre le navet à case, s'il y a de l'engrais. C'est-à-dire que je peux en poser un infini... Ah non, je peux en poser qu'un et ensuite, il coûte plus cher. Ouais, je peux en poser qu'un et ensuite, il coûte plus cher. Donc, on va prendre la mine patate et on termine par... j'en sais rien, là, j'ai rien de messer. Bah, vas-y, le triple pistopois, même si on va pas le poser. Ah, mais j'ai pas pris. Je suis débile. Non mais je crois qu'on pouvait pas prendre l'éclateur de tombe. Bon allez, on va partir sur ça. Alors, nous allons poser proprement toutes ces belles plantes. Donc déjà, on va poser les grandes noix ici. Voilà, je vous le dis, on commence par les grandes noix. Donc déjà, nous n'avons plus de soleil, c'est formidable. Ensuite, nous allons mettre les... alors comment on va faire ça? On va mettre tout ça. Voilà, on a déjà plus d'argent, quoi, c'est horrible. On va poser ça ici. Donc voilà, ça claque les boosters, donc ça sert strictement à rien. Mais ça, j'aurais dû le poser après, je suis débile. Bon, c'est pas grave. Ok, et on part sur ça. Très bien, on n'a plus d'argent, c'est formidable, allons-y. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va accélérer la cadence et on va juste patienter et regarder ce qui se passe. Ok, bon là, ce qui est cool, c'est que déjà, on a les bonnes plantes contre les... contre les zombies bouffons qui vont se faire écraser, hein, avant d'arriver, hein. Ils toucheront même pas les noix, regardez. Allez, ils vont même pas les... Abusé. J'avais dit qu'ils allaient pas les toucher. Ok, bon, on regarde, hein, nous sommes spectateurs, hein, comme vous. Je regarde, hein. Je ne peux plus interagir à part poser des petites mines patates, mais on va pas s'en servir. Je les poserai derrière, je pense, si on a des difficultés. Mais il devrait pas avoir de soucis sur ce level là. C'est du bien de temps en temps d'être spectateur, hein, de juste regarder. Qu'est-ce que j'aimerais être à votre place de temps en temps. Je regarde très, très peu de youtubeurs en fait, moi, donc c'est... Ouais. Et en général, les youtubeurs regardent très peu d'autres youtubeurs. On a l'impression que les youtubeurs se copient, se plagient et se regardent entre eux, mais pas du tout en vrai. Hein. En vrai, les youtubeurs font des vidéos, mais sont très peu sur YouTube. Hein. Tiens, mourez. Voilà, merci. Oula, par contre, là, c'est la merde. Ah merde! Comment on fait là? Oh, faut déclencher ça. Oh, faut déclencher ça maintenant. Voilà, merci. Pour sauver la plantounette. C'était obligatoire. On va poser une mine derrière. C'est très important. Là, on a plus de noix. Donc là, ça va être la merde. On va pas se mentir. Ça va être la merde. Oh, nous allons peut-être louper le level. Là, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser des engrais ici. Voilà. Et on va faire pareil ici. Vu qu'il y a plus de noix. Voilà. Excellent. Très bien.
bien. On est sur la dernière vague là, rassurez-moi. Ah. Oh là, on est dans la merde. Donnez-moi au moins un engrais. Je pense qu'on a perdu. Oh là là, on a perdu les potes. Oh là là, on a perdu. Est-ce que j'utiliserai pas un petit bonus? Désolé, je vais utiliser un petit bonus. Désolé. Désolé, j'étais obligé. Désolé, ça arrive très rarement. Oh mon dieu. Ah, mais le pire, c'est qu'on arrive tous les levels sans utiliser aucun bonus. C'est incroyable. Ça fait très longtemps hein, qu'on n'a pas utilisé un bonus. Hein. Non, là, j'étais obligé. Ça me faisait mal au cœur de perdre à cause de ça. Là, c'est bon. Bon, on vient débloquer du coup le champignement, la nouvelle plante qu'on pourra tester, bah écoutez, ensemble la prochaine fois. Le champignement qui est très fort en plus, surtout dans ce level là, puisqu'il y a des objets en métal, de l'équipement en métal un peu sur tous les zombies. Donc ça va être juste super utile. Très bien. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Plants vs Zombies 2. On se retrouve je ne sais quand, puisque de toute façon je fais maintenant les vidéos sur Plants vs Zombies 2 quand j'en ai envie. Voilà, je me suis jamais posé d'obligation sur YouTube. Je fais vraiment les vidéos quand j'en ai envie, les vidéos que je veux surtout. Et voilà, je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Merci à tous, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.